Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le jeu Thunderstorm sur MSX VHD. C'est un jeu de type FMV, sorti en arcade en 84 et donc sur MSX en 85. On le verra ultérieurement sur Mega CD, Laser Active, sur Saturn je pense et sur les consoles récentes. Donc un peu comme les jeux au format MSX LD que je montrerai dans d'autres vidéos. Je veux dire que ça fonctionne un peu sur le même principe, à part que là, on a des VHD, qui ne sont pas des laserdiscs, mais des Video High Density. Ce sont des vinyles encapsulés dans des cartouches, si j'arrive à le sortir. Et donc la vidéo est analogique, un peu comme une VHS, avec plus de lignes, une meilleure qualité générale. Donc, un peu difficile à sortir. Voilà. Voilà, donc à l'intérieur, on a un vinyle qui est le procédé de fonctionnement est un petit peu différent. Je sais plus, il y avait une histoire de là, le sillon est en spirale et dans un vinyle, c'est un petit peu différent. Ça, il y a des sites un peu spécialisés là-dessus qui expliqueront exactement comment ça fonctionne. On a 1 heure de vidéo possible dedans, donc une qualité tout à fait acceptable. Voilà, donc le jeu vient. Enfin, la vidéo du jeu vient sous ce format. Donc il vous faut un lecteur spécifique que je vais vous montrer après. Un adaptateur et un MSX aussi un peu spécifique comme pour les MSX compatibles LD. Et ensuite, que dire? Eh ben, sur le même principe que le LD, là vous aurez la vidéo de background en fait. Le jeu en lui-même pour le MSX vient sur une cartouche. D'autres jeux VHD viennent sur cassette. Celui-là vient sur une cartouche que je n'ai pas. Vous le mettez dans le MSX et quand le lecteur de VHD et le MSX communiquent, le MSX enverra sur la vidéo sa surimpression graphique, son jeu. Donc là, on va regarder les vidéos. Donc je vais mettre le VHD dans le lecteur. Voilà. Donc le lecteur, voici donc un exemple de lecteur. Hein, celui-ci est un Victor, le 9500 HD. On les reconnaît parce que voilà, il y a VHD, on verra même la caméra, VHD PC. Ça veut dire que c'est plus qu'un lecteur VHD, qu'un lecteur vidéo commun au Japon dans les années 80, hein, comme le VCD plus tard. Très bien vendu. Sauf que là, celui-là, il est compatible avec les PC, donc c'est pour fonctionner avec des MSX ou des Sharp X1, je crois. Donc j'insère la cartouche. J'allume d'abord. Ça va s'ouvrir. J'insère la cartouche. Voilà, il va me l'avaler. Voilà. Et il me la rend. On va passer en vue d'acquisition. Voilà. Et la vidéo commence à apparaître. Bon visionnage. Good luck.
Okay, Captain. Let's knock him out of New York. Head up! Head up!
face. Let's knock them out. You're right. Thanks. Watch the chopper. Get up!
terrorist in the ruins. Watch the planes. Up ahead, Captain. Straight down to the river. Thank you.
Take a left. Orbit right. Pipeline, climb up. Terrorist main base. Watch out. Heavily guarded. Stay low. Watch the sides. Thank you.
Cobra Command. Terrorists on the attack. Your mission is to destroy terrorist strongholds. Be prepared. They are well trained. Use every precaution. Good luck. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va rééjecter le disque. On va le prendre avec sa cartouche. Voilà. Hop. Et on éteint. Donc c'était Thunderstorm ou Cobra Command de Data East qui est sorti sur Laserdisc Arcade en 84. Celui-là au Japon, il s'appelle Thunderstorm. Que dire, il est sorti en 85. Donc au format VHD, vidéo high density, vidéo analogique. Sorti après en 92 sur Mega CD, sur LED Laser Active sûrement en 93 ou 94. Et puis sur édition Saturn, j'imagine, et les consoles modernes. Je n'avais pas montré le manuel. On va regarder en plus grand champ. Voilà le manuel qui vient avec. Qui décrit un peu les niveaux que l'on va rencontrer.
Merci d'avoir regardé. À bientôt.